Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardons qui est là. Je vois Morita, bonjour. Je vois Luciana, bonjour. Je vois Omar, je vois Cosmina. Je vois aussi, qui est-ce que je vois d'autre? Attendez. Je vois Désiré, bonjour Désiré. Je vois Maria, qui envoie toujours... beaucoup de petites icônes. Ensuite, Cosmina est là aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, je regarde. Victoria Posse est là. Cassandra est avec nous. Annabelle est là. Oh, elle est courageuse, Annabelle. Elle est courageuse parce que c'est le soir pour elle. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors, attendez, j'avais vu aussi. J. Vincent est là. Johanna est là. Cheryline est là. Max est avec nous. Tenzing est là aussi. H.A. est là. Imane est là aussi. Victoria, Jacques. Bon, ben écoutez, on va commencer. On oublie, s'il vous plaît, absolument pas de cliquer. Clic, comme ça sur le like. Ce serait très, très gentil. Merci. Allez, le défi du jour, modeste, mais efficace quand même. Lynn, bonjour, 6 km aujourd'hui. J'aurais pu faire plus, mais j'étais un petit peu pris par le temps, je dois dire. Yesero nous rejoint, Mélissa Madrid aussi. Et on n'oublie surtout pas de... On n'oublie pas de cliquer sur le like. Allez, James Reed nous rejoint, Alama aussi, mais... On clique sur le like, hein, bien sûr. Notre objectif, comme vous le savez, c'est... Vous le voyez ici, sans like. Allez. La chanson du jour, je m'étais dit... Allez, on va taper dans les années 80. France Gall, bien sûr... Elle était très jeune, là, sur la photo que vous voyez. Mais France Gall nous a chanté une chanson qui s'intitule « Cézanne Pain ». Eh bien, moi, je trouve que c'est une chanson très, très sympathique. Une chanson qui me rappelle les années 80. Je vous invite à la découvrir. Cherchez les paroles. Regardez les mots que vous ne connaissez pas. Chantez avec France Gall, si vous le souhaitez. C'est vraiment une chanson sympathique, à mon avis. « Cézanne Pain ». Cézanne Pain, et bien sûr, c'est dans la playlist sur Spotify. Donc, vous pouvez la retrouver là. Je l'ai mise en première position. Voilà, c'était notre chanson du jour. On n'oublie pas de cliquer sur le like. Et maintenant, on démarre les choses sérieuses. À vous la parole. De quoi parlez-vous en général avec vos amis? De quoi est-ce que vous parlez avec vos amis, s'il vous plaît? Hop. Une petite phrase pour m'expliquer quels sont les sujets de discussion que vous avez avec vos amis. Alors, Ice Cubes nous rejoint. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Renato Silva nous rejoint aussi. Coucou. Allez, on y va. On démarre direct. De quoi parlez-vous avec vos amis? «
Alors, Imane qui veut faire court, hein. Imane veut pas écrire de phrases, n'importe quoi. D'accord, de tout. Donc vous parlez de tout. Gloria qui nous rejoint. Gloria, coucou. N'oublie pas de cliquer sur le like, Gloria, j'espère que vous allez bien. Mohamed, c'est pareil, on clique sur le like. Morita qui nous dit « Je parle d'absurdité avec mes amis ». D'accord, donc est-ce que plutôt des choses légères, vous voulez dire ? Max, avec mes amis, nous discutons de notre amour de la musique. Eh ben oui, ça c'est bien. Mercurial qui nous dit « Je discute du monde avec mes amis ». Eh oui, Mercurial, peut-être il refait le monde. Il veut changer les choses avec ses amis et ça c'est bien. Yesero, on parle de femmes, femmes et femmes. Ah ben avec Yesero, c'est simple, c'est simple. Il y a trois sujets, mais finalement, il n'y en a qu'un. Les femmes et les femmes. J. Vincent, nous parlons d'art, de musique, d'histoire et comment gagner au jeu. D'accord, quel jeu, quel jeu. Rihanna, nous parlons de nos animaux de compagnie, de nos enfants et de ce que nous cuisinons pour le dîner. Yulia, je crois que ces dernières années, le sujet inévitable est le Covid. Ah ben c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup du Covid. Le Covid s'est invité dans les conversations quand même. On parle des mêmes dank à la main. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne comprends pas. Excusez-moi, peut-être vous pouvez expliquer. Victoria Possession, on parle de plusieurs choses qui dépendent du moment et de l'actualité. Gloria, on discute des voyages, d'où on va voyager. C'est un petit peu limité maintenant comme sujet. Yossi, je parle de toutes les choses sauf de la politique. La politique, c'est toujours délicat. Après, il peut y avoir des disputes. Des disputes, hein, des opinions très différentes. Lynn, habituellement, nous parlons de sport. Merach Khan qui nous rejoint. Bonjour Merach, comment ça va ? N'oublie pas de cliquer sur le like et après, on peut envoyer une petite phrase. Omar, quand je peux parler avec mes amis, je parle de tout et plus, c'est l'occasion d'en profiter. Luciana, je parle de famille, de voyage, de français et de Covid. Ben oui. Annabelle, sinon la sagesse, c'est la nourriture. Oh, la nourriture, c'est toujours un sujet formidable. Un sujet de discussion inépuisable. On peut en parler pendant des heures. Cosmina, je plaisante bien sûr et je vais répondre qu'avec mes amis, je parle des autres amis. Ça, c'est pas bien. Alors non, ça n'est pas bien. Non, franchement, nous parlons de l'actualité politique du pays, de la mode et de nos enfants. Scott, chaque matin, nous discutons des sports. Eh ben, ça, c'est bien. Désiré, on discute de nos centres d'intérêt. De foot, maintenant c'est la Champions League. Ah, le PSG qui joue aujourd'hui contre Manchester City. Je suis pas un spécialiste de football, je suis désolé, mais bon, je ne sais pas. Si désiré, j'espère que votre équipe va gagner. Mélissa Madrid, je parle beaucoup de projets, des idées à entreprendre, histoire de trouver un associé. Ah bah oui. Ensuite, Johanna, en général, moi et mes amis, on parle de choses concernant notre vie, en gros, puis on dirige la discussion vers des sujets comme la famille, le travail et des rêves ou les buts dans l'avenir. Ouais. Renato, je parle avec eux surtout de musique des années 80, et oui, et de l'actualité. Allez, musique des années 80. Ah bah c'était formidable, les années 80, une période
incroyable pour la musique. Maria, nous parlons de nos aspirations, des arts et de nos intentions spirituelles, nos fautes, nos familles et bien sûr la nourriture. Oh, c'est important de parler de la nourriture. Cassandra, nous parlons de la nature, des fleurs et du jardin, parfois des plats vietnamiens que nous cuisinons à la maison. Morita qui dit « Je n'aime pas la politique ». On ne parle pas de politique ici et vous faites ce que vous voulez à la maison. Merach qui dit « On discute de où tu habites ». Ah non, c'est une question pour qui, Merach? C'est pour qui cette question? Roman, on parle de politique et quelquefois de sport, spécialement du FC Barcelone. Ah, très bien. Je regarde, alors attendez... Ah, d'accord. Ah, Alama, donc un mème, c'est, oui, ou un mime. Oui, c'est une image qui contient des blagues. Ah, donc vous parlez de ça, d'accord. Tenzin, je partage beaucoup mes problèmes, mes journées, etc. Cherylin, attention. Nous parlons de politique, de comparaison culturelle. La plupart de mes amis au travail viennent d'autres pays, de vie au laboratoire. Et on sait que c'est difficile. La vie au laboratoire... Dans le laboratoire de Cherylin, c'est pas facile du tout. De science, de la vie amoureuse, d'expériences que l'on peut partager. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Je ne sais pas si ça va être aussi difficile qu'hier, mais hier, souvenez-vous, pour obtenir les 100, c'était difficile. Et là, je regarde, je me dis que ça va peut-être être la même chose aujourd'hui, mais on va voir, on va voir. La recette du jour, ce sera une recette à l'infinitif. Vous pouvez le voir, on va essayer d'alterner de temps en temps un petit peu d'infinitif, de l'impératif, mais là, ce sera de l'infinitif. Vous me l'aviez demandé, hein, c'était Cosmina et Johanna qui avaient demandé est-ce que ce serait possible de parler de la brioche vendéenne. La brioche vendéenne, la voici, la voilà. Alors, sur la photographie, c'est une brioche peut-être assez traditionnelle qui est une brioche en tresse. D'accord. La recette que moi je vais vous donner, c'est une recette un petit peu différente. Désolé, la photo n'est pas très bonne. Mais c'est une recette dans un moule qui est... probablement plus facile à réaliser. Les ingrédients, une pincée de sel, 250 ml d'eau, 20 g de levure de boulanger. La levure, c'est important pour la brioche vendéenne. Un sachet de sucre vanillé, 150 g de sucre, 750 g de farine de blé, 3 œufs, 100 g de beurre fondu, 3 moules à cake, et alors après, c'est vous qui choisissez, eau de vie, rhum, fleur d'oranger, vous choisissez, mais en tout cas, bon, on met un petit peu de hop hop dedans. Allez, on attaque avec la première chose concernant, eh bien, notre délicieuse recette. Une petite seconde, j'élargis, voilà... pour que je puisse voir. On y va. Mettre les œufs dans un grand saladier, ajouter le sucre et le sucre vanillé, le beurre fondu, la levure de boulanger diluée dans un peu d'eau. Mettre les œufs dans un grand saladier, ajouter le sucre et le sucre vanillé, le beurre fondu, la levure de boulanger diluée dans un peu d'eau. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. «
Alors, Johanna, quand la brioche vendéenne, ça vient de la Vendée. La Vendée se trouve juste au-dessous de la Bretagne, au bord de la mer. C'est la Vendée. Et donc, c'est une brioche qui vient de cette région de Vendée. Donc, peut-être que vous pourriez dire, pour vous, hein, Johanna, notre brioche roumaine. Ou si c'est une brioche qui est d'une région de Roumanie, vous mettez l'adjectif. Allez, on y va. Regardons les trois choses qui manquaient. Et bien sûr que ça marche. Attention, oui, on y va. Première chose, c'était saladier. Saladier, c'est un substantif masculin, S-A-L-A-D-I-E-R. Vanillé, c'est un adjectif qui est bien sûr ici lié à sucre. Sucre, c'est masculin, donc vanillé doit être au masculin, V-A-N-I-L-L-E, accent aigu. Et puis levure, c'est un substantif qui est féminin, effectivement, et c'est écrit L-E-V-U-R-E. Alors, Alama qui dit au sud de Nantes, oui, la capitale, hein, la capitale de la Vendée, c'est La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, c'est la capitale de la région de Vendée. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant, eh bien, la brioche vendéenne. Ajoutez ensuite 250 ml d'eau, une bonne pincée de sel, 3 cuillerées à soupe d'eau de vie, de rhum ou de fleurs d'oranger. Ajoutez ensuite 250 ml d'eau, une bonne pincée de sel, 3 cuillerées à soupe d'eau de vie, de rhum ou de fleurs d'oranger. Et là, ça n'est pas comme le bœuf bourguignon où hop, on peut prendre un petit verre de vin. Là, c'est de l'alcool fort, donc non! C'est juste pour la recette, c'est pas pour le pâtissier ou la pâtissière, non. Allez, écrivez les mots qui manquent. Alors, Johanna, ce type de gâté s'appelle roumain cozonac et il est spécifique de notre pays. Ça ne peut pas être traduit en français, d'accord. Mais est-ce que c'est la même texture ou c'est... On va voir après. On va voir. Ce type de pâtisserie, j'en ai vu dans les pays nordiques. Hein. Les pays du nord de l'Europe, on peut retrouver ce type de pâtisserie avec une texture un petit peu semblable. Allez, si on regarde ensemble les trois choses qui manquaient. La première chose, c'est une pincée, c'est un substantif, c'est féminin, hein, P-I-N-C-E, accent aigu, E. Ensuite, c'est vie, alors la vie, mais bon, ici c'est l'expression, une eau de vie, c'est de l'alcool très fort, hein, nous sommes d'accord, V-I-E. Et finalement, c'est oranger, vous l'écrivez O-R-A-N-G-E. Allez, si on continue avec la troisième chose, mélangez bien le tout, puis ajoutez 500 g de farine, bien mélangez, puis rajoutez 250 g de farine. Mélangez bien le tout, puis ajoutez 500 g de farine, bien mélanger, puis rajouter 250 g de farine. Allez-y, s'il vous plaît. Thank you.
Alors, regardons ici, on a trois verbes. Hein. Je me suis dit pourquoi pas finalement. Le premier, c'est un verbe du premier groupe mélangé. Vous l'avez bien écrit. M-E accent aigu, L-A-N-G-E-R. Le deuxième, eh bien, c'est le verbe ajouter. Ajouter, premier groupe aussi, A-J-O-U-T-E-R. Et le troisième, eh bien, c'est la répétition. Souvenez-vous, on met le préfixe RE pour exprimer la répétition. Ici, nous avons bien sûr A, une voyelle, comme première lettre. Donc, notre E du préfixe RE va disparaître. Rajouter. R-A-J-O-U-T-E-R. Rajouter. On continue. Alors, attention. Mélanger le tout et finir de pétrir la pâte à la main pendant environ 10 minutes. Faire lever la pâte toute une nuit en recouvrant le saladier d'un linge. Mélanger le tout et finir de pétrir la pâte à la main pendant environ 10 minutes. Faire lever la pâte toute une nuit en recouvrant le saladier d'un linge. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Ice Cube, ce qu'il dit, on a beaucoup de vocabulaire grâce aux recettes, mais c'est l'idée. L'idée, c'est d'essayer de vous donner du vocabulaire. Parce qu'on fait, on fait des exercices, hein. C'est le concept. Mais on change les sujets, voilà. Alors, je vois que Olga nous rejoint. Bonjour Olga, comment ça va ? Olga, on appuie sur le like, bien sûr. Alors, on a quatre choses. La première chose, c'est un verbe. Verbe à l'infinitif, et le verbe, c'est pétrir. P-E accent aigu, T-R-I-R. Ensuite, environ, bah ça vous l'écrivez très très bien, on l'a déjà vu, faites attention, pas de pluriel, hein. Juste E-N-V-I-R-O-N, d'accord, il est invariable. Ensuite, le verbe c'est lever, hein, lever, ici infinitif, L-E-V-E-R. Et finalement, encore une fois, recouvrant, recouvrant, c'est le verbe recouvrir. On est d'accord. Recouvrir, vous le mettez au participe présent, recouvrant, et vous ajoutez, eh bien, en, et vous obtenez le gérondif en recouvrant. R-E-C-O-U-V-R-A-N-T. Allez, on continue avec la cinquième chose. Attention, attention. Le lendemain matin, séparez la pâte levée en trois parties. Avec chaque portion, faire 8 petites boules et les déposer, 2 rangées de 4 tas, dans un moule à cake beurré et fariné. Le lendemain matin, séparez la pâte levée en trois parties. Avec chaque portion, faire 8 petites boules et les déposer, 2 rangées de 4 tas, dans un moule à cake beurré et fariné. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, Johanna, vous voulez nous provoquer à attaquer la cuisine? Faut attaquer la cuisine. Il faut l'attaquer dans le salé, dans le sucré. Il faut faire des choses dans la cuisine.
Allez, on regarde ensemble. La première chose, c'était lendemain. Lendemain, vous l'avez bien écrit. L-E-N-D-E-M-A-I-N. Ensuite, lever doit bien sûr être au féminin. Tout simplement parce que c'est connecté à pâte. La pâte, c'est féminin. Lever doit être au féminin. L-E-V. Accent aigu et le E pour le féminin. Portion, c'est un mot qui est féminin. Portion, vous l'écrivez P-O-R-T-I-O-N. Ensuite, un moule. Moule, on l'écrit M-O-U-L-E et c'est masculin. Un moule, hein, faites attention. Allez, si on continue avec la sixième partie, laissez lever la pâte pour qu'elle triple de volume 3 à 5 heures dorée à l'œuf entier. Laissez la pâte pour qu'elle triple de volume de 3 à 5 heures dorée à l'œuf entier. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, on clique sur le like, ce serait très très gentil, même si ça semble difficile d'arriver à 100 aujourd'hui, je ne sais pas où sont les gens, peut-être qu'ils ont peur. Alors, Riena, c'est vraiment un moule à cake en français? Ben oui, parce que le cake, c'est un cake, hein. c'est un moule spécial. Hein. C'est pas un moule à tarte, c'est pas la même chose. C'est pas un moule à gâteau, c'est pas un moule à fraisier, c'est un moule à cake. Le moule à cake, c'est un moule à cake. Alors, regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'était laisser. Laisser, donc c'est toujours de l'infinitif. L-A-I-S-S-E-R. Ensuite, c'est le verbe tripler. Le verbe tripler, qui est un verbe régulier, hein, qui indique effectivement que c'est multiplié par 3. Ici, donc, c'est troisième personne du singulier, L triple, T-R-I-P-L-E. Et puis finalement, doré, verbe aussi, verbe régulier du premier groupe, D-O-R-E-R. Allez, on finit avec la septième étape et c'est faire cuire à 190 degrés pendant environ 20 minutes. 20-25, ça dépend du four, regardez. Faire cuire à 190 degrés pendant environ 20 minutes. Allez-y. Allez, on regarde ensemble. La première chose, c'est le verbe cuire à l'infinitif. Donc ça n'est pas très compliqué. C-U-I-R-E. Ensuite, c'est pendant. Pendant, P-E-N-D-A-N-T. Et finalement, 20 minutes. Minute, pluriel. M-I-N-U-T-E-S. Voilà, grand classique. Hein, grand classique de la région de la Vendée. La Vendée, comme je vous l'ai dit, c'est au bord de la mer. Et ça se trouve sous la Bretagne. Peut-être que j'aurais dû mettre une carte, mais bon, vous pourrez trouver assez facilement. La Roche-sur-Yon, c'est effectivement la capitale de la Vendée. Je pense que je vais cauchemarder, je crois qu'on va pas y arriver. J'ai des sensations bizarres. Si on arrive à 100, ce sera vraiment exceptionnel aujourd'hui.
Allez, Hillary nous rejoint. Bonjour, comment ça va, Hillary? Là, il faut aider, il faut aider. Aidez-nous! Allez, trouvez un mot, s'il vous plaît. Trouvez un mot qui commence avec AF. On y va. Oh, mais je vois Laurent qui arrive. Il a mis un pouce bleu. Et voilà, et quand Laurent il arrive, bien sûr, il a droit à son petit feu d'artifice. Et j'espère que ça va bien, Laurent, hein. Faut mettre le masque si on va dans le bus. Allez, on regarde les mots que vous avez mis. Mélissa Madrid qui commence avec une affaire. Omar qui met une affaire aussi. Alors attendez, Stardust nous rejoint. Stardust, on n'oublie pas de... N'oublie pas de cliquer sur le like. Luciana qui nous dit un affichage masculin. Yesero, affreux, affreuse. Yossi qui nous dit affranchir. Renato qui nous dit, est-ce que c'est affaible ou affable probablement. Désirer, une affabulation. Cosmina, afficher quelqu'un. Ah, Cosmina, elle fait la navette entre les deux registres. Stardust, des affaires. Victoria Thomas, affadir. Mojita, affaire. Ice Cubes, l'Afrique. Johanna qui nous dit afflige, du verbe affliger. Céline qui nous dit Afrique. Annabelle qui nous dit affirmer. Gloria qui nous dit affectueux, alors masculin, affectueuse, féminin. Julia qui nous dit affirmative, masculin, affirmatif. Max qui nous dit affronter. Laurent qui est content d'avoir son feu d'artifice. C'est le minimum pour toi, tu le sais bien. Johanna qui dit bonjour à Stardust. Alberto, une affectation. Victoria Possé qui nous dit affronter. Stella qui nous dit bonjour. Stella. On appuie sur le like. Mohamed qui nous dit une affaire. Hillary qui nous dit affirmative. Version féminine, version masculine qui est affirmatif. Stella affrontée aussi. Rihanna affligée. J. Vincent affectueux, masculin, affectueuse, féminin. Maria qui nous dit affolée. Oui. Toujours avec son petit animal. Comment vont les poules, Maria? Comment vont les poules? Est-ce que les poules vont bien? Moi, ça m'inquiète. Hein. Olga qui nous dit affligée aussi. Max qui nous dit affichée. Cassandra affable. Et puis les gens se saluent. Très bien, merci beaucoup. Eh oui, s'il vous plaît, on appuie sur le bouton like. On va essayer d'arriver à 100, ça va être difficile aujourd'hui. La phrase du jour, eh bien écoutez, c'est comme d'habitude, une phrase pour résumer votre journée ou la journée d'hier, si c'est le matin pour vous, allez-y. Alors, Maria qui nous dit que ses poules vont bien, eh ben je dis bravo, ça me fait plaisir, Maria. Si les poules vont bien, c'est important.
Allez, Ange Gabriel qui nous rejoint, Ange Gabriel, bien sûr. Vous connaissez les règles. Allez, c'est Olga qui commence et qui nous dit aujourd'hui c'est une journée tranquille. Bah écoutez, ça c'est important. Si c'est tranquille, c'est bien. C'est mieux que ce soit tranquille plutôt que trop agité. Alors, Victoria Thomas qui nous dit hier j'ai fait les courses et j'ai regardé la série Spartacus. Johanna qui nous dit oh prof, c'est le même qu'hier, toujours du temps froid et pluvieux. Ben oui, toujours le ménage à la maison, masse. On sait ce que c'est, hein, il faut toujours ranger. Je pense que je vais finir avec hein, justement vendredi. Ah, pour le ménage. Gloria, hier, un ami qui. À aider un ami qui traverse un divorce. Bravo Gloria, ça c'est très bien d'aider les gens. Bravo. Morita qui nous dit, il y a trois Victoria. Ah pour Scott. Ah bah oui, il faut utiliser les prénoms et les noms. Yesero, hier je suis allé à la bibliothèque pour un livre, mais malheureusement, ils n'ont pas celui que je cherche. Ah bah ça, c'est terrible. Alba, bonjour, hier j'ai eu beaucoup de travail, je n'ai pas pu sortir. Stella, ce week-end, c'est Pâques ici en Bulgarie. Et je suis allé au supermarché pour faire des courses, j'ai acheté des œufs. Est-ce que vous décorez? Vous allez décorer les œufs et du poulet pour manger. Hilary, hier, je me suis couché à 4h du matin. Qu'est-ce qui se passe, Hilary? Qu'est-ce qui se passe? Il faut expliquer. Est-ce que vous avez regardé des films, une série? Qu'est-ce qui se passe? Victoria Possé. Ce matin, je suis allé faire des courses et comme il pleuvait, je suis resté à la maison en faisant des exercices de français. Omar, aujourd'hui c'est un jour de garde avec beaucoup de travail, mais j'espère que la nuit sera tranquille, c'est normal. Luciana, le jour à moins 2 heures que je pense pour faire toutes les affaires. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour est plus court. Yulia qui nous dit, alors un jour avec des tulipes et du soleil, je me demande s'il faut ajouter un kebab pour faire de cette journée parfaite. Il faut toujours, toujours. Si on peut ajouter un kebab à une journée qui est déjà une journée formidable, cette journée sera automatiquement parfaite. J. Vincent, hier je suis resté à l'intérieur et j'ai fait un peu de ménage car il faisait à nouveau froid et pluvieux à l'extérieur. Riena, j'ai fait une casserole d'agneau. Alors attendez, oh je vous ai perdu. Où est-ce que vous êtes là? Ah oui, voilà. Une casserole d'agneau avec des aubergines et des brownies pour le dessert. Oh, alors ça, c'est de la torture. Ça doit être délicieux. Annabelle, je conduisais en écoutant les musiques d'exercice paisibles. C'était une bonne soirée. Merci à vous. Ben, je vous en prie, Annabelle. C'est mon plaisir. Yenny qui nous rejoint. Yenny, on n'oublie pas de... On n'oublie pas de cliquer. Alberto, aujourd'hui, je suis allé chez le médecin et elle m'a recommandé des médicaments. Victoria Jacques, hier, je suis allé dans un bon restaurant. Eh oui, il y avait un beau décor à l'extérieur. La nourriture était délicieuse. J'étais content parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas. C'était où, Victoria? C'était quoi le nom du restaurant? Juste par curiosité. Si vous ne voulez pas partager, pas de problème. Yossi, aujourd'hui, je suis allé au magasin de chaussures que je connais il y a 2 ans et je ne pouvais pas le trouver parce qu'ils ont déménagé. Faites attention, déménager, c'est avec avoir. Wora, hier, j'ai fait beaucoup de devoirs pour l'université. Et oui, Maria, hier, j'ai lu un peu mon livre de Lupin.
Très bien, publié par Netflix. Ah, ils font des livres maintenant. Ah, ils sont formidables. Cosmina qui nous dit, juste avant le cours, j'ai préparé des œufs, eh oui, pour la peinture, parce que demain, pour nous, c'est le jeudi saint. Et pendant ce jour, il y a la tradition de peindre les œufs pour la Pâque. Eh oui, Johanna qui dit, ah oui, donc voilà, donc vous allez peindre aussi, très bien. Ensuite, je regarde Hillary qui dit, le travail jusqu'à 4h30. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. Cassandra, hier, j'ai échoué à mon examen de conduite. Je devrais pratiquer plus et en prendre un autre. Cassandra, ça n'est pas grave. Moi aussi, c'était la même chose. Je n'ai pas eu ma conduite la première fois. La première fois, ça n'a pas marché. Pas de problème. Ça va marcher la prochaine fois. Et aujourd'hui, on va parler, on aura la personne du jour. Et la personne du jour, eh bien, c'est Jules Verne. C'est Jules Verne, on doit bien sûr en parler, on doit le présenter. Et nous allons le présenter, eh bien, en quelques points, comme d'habitude. Allez, on attaque. Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes, est mort le 24 mars 1905 à Amiens, est un écrivain français. Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes, est mort le 24 mars 1905 à Amiens, est un écrivain français. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Allez, on regarde ensemble. On regarde ensemble les trois choses qui manquent. La première chose, c'est né. Oups là, regardez. C'est flou. Né, c'est masculin automatiquement parce qu'on parle de Jules Verne et donc vous l'écrivez N-E, accent aigu. Ensuite, mort. Mort, eh bien, c'est la même chose ici. Ça doit être au masculin. M-O-R-T. Et finalement écrivain, encore une fois, la version masculine, puisque c'est un homme, E accent aigu, C-R-I-V-A-I-N, un écrivain. Allez, si on continue avec la deuxième chose, son œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventure évoquant les progrès scientifiques du 19e siècle. Son œuvre est, pour la plus grande partie, constitué de romans d'aventure évoquant les progrès scientifiques du 19e siècle. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent.
Alors, regardons ensemble. Première chose, partie, c'est féminin. Donc, automatiquement, grande doit être au féminin. D'accord ? Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons le E à la fin. Grande, G-R-A-N-D-E. La grande partie. Donc, c'est vraiment lié ici au mot partie. Ensuite, constituer, bah, c'est la même chose, c'est son œuvre. Hein. Une œuvre, c'est féminin. L'œuvre est constituée. Constituée doit être au féminin. C-O-N-S-T-I-T-U-E. Accent aigu, E. Une œuvre, c'est féminin. Oui, Johanna. Souvenez-vous, hein, souvenez-vous. Œuvre, c'est féminin, mais souvenez-vous de la règle. Les mots féminins qui vont commencer avec une voyelle ou le son d'une voyelle, quand on va utiliser les adjectifs possessifs, on ne va pas utiliser ma, ta, sa. On va utiliser le masculin pour des raisons euphoniques. Mon, ton, son. Mon œuvre, ton œuvre, son œuvre. Souvenez-vous, un mot comme identité. Identité, c'est un mot qui est féminin. Une identité, c'est la même chose. On dit mon identité pour des raisons euphoniques. Et puis la dernière chose, c'était scientifique. Scientifique, ici, est connecté à progrès. Progrès, c'est masculin. C'est pluriel surtout, d'accord ? Scientifique, c'est un adjectif qui sera au féminin ou au masculin de la même forme, mais ici on va mettre le pluriel. S-C-I-E-N-T-I-F-I-Q-U-E, scientifique. Allez, on continue avec la troisième chose. Bien qu'il ait d'abord écrit des pièces de théâtre, Verne ne rencontre le succès qu'en 1863, lorsque paraît chez l'éditeur Pierre-Jules Hetzel son premier roman « Cinq semaines en ballon ». Bien qu'il ait d'abord écrit des pièces de théâtre, Verne ne rencontre le succès qu'en 1863, lorsque paraît chez l'éditeur Pierre-Jules Hetzel son premier roman « Cinq semaines en ballon ». S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde, pour l'instant, ça a l'air très très bien, effectivement. Donc, les choses qui manquaient, trois choses. La première chose, eh bien, c'est pièce. Ici, on le met au pluriel. Pour votre information, c'est un mot féminin. Une pièce de théâtre. Ici, c'est au pluriel, donc P-I-E, accent grave, C-E-S. Ensuite, c'est le mot succès. Succès, et là, c'est intéressant parce que là, vous voyez qu'on prononce finalement ces deux C, suc, S-U-C, C-E, accent grave, S. Succès. Et puis la dernière chose, eh bien, c'est roman. Roman, c'est masculin. Un roman, ici on utilise le possessif, son roman, son premier roman, R-O-M-A-N. Numéro 4. Celui-ci connaît un très grand succès, y compris à l'étranger. À partir des aventures du capitaine Hatteras, ces romans entreront dans le cadre des voyages extraordinaires. Celui-ci connaît un très grand succès, y compris à l'étranger. À partir des aventures du capitaine Hatteras, ces romans entreront dans le cadre des voyages extraordinaires.
Allez-y, s'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde, Monica nous rejoint. Bonjour Monica, Monica Fernandez, s'il vous plaît. Quand on arrive, on clique sur le like. On essaye d'arriver à 100 likes, même si ça semble difficile aujourd'hui. Allez, la première chose, eh bien, c'est l'étranger. L'étranger, souvenez-vous, hein, c'est masculin. Ici, on l'écrit E accent aigu, T-R-A-N-G-E-R. Étranger. Ensuite, entreront. Entreront, eh bien, c'est le verbe entrer. Au futur simple, j'entrerai. Tu entreras, il entrera, elle entrera. Nous entrerons, vous entrerez, ils entreront. Elles entreront, E-N-T-R-E-R-O-N-T, entreront. Et puis ensuite, eh bien, c'est l'adjectif extraordinaire qui doit être au pluriel ici. Extraordinaire, adjectif masculin-féminin, c'est la même forme. On l'écrit E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-A-I-R-E-S, extraordinaire. Allez, on continue. Il a écrit 62 romans et 18 nouvelles, parfois publiées en feuilleton dans des périodiques destinés aux adultes, comme Le Temps ou Le Journal des débats. Il a écrit 62 romans et 18 nouvelles, parfois publiées en feuilleton dans des périodiques destinés aux adultes, comme Le Temps ou Le Journal des débats. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, première chose, eh bien, c'est publier ici, puisqu'on parle de romans masculins et de nouvelles féminins, les deux ensemble, eh bien, ce sera un masculin pluriel. Donc, ça doit être effectivement au masculin pluriel, publier, P-U-B-L-I-E, accent gras, accent aigu, S. Ensuite, périodique, c'est un substantif et c'est masculin, impériodique. Ici, c'est le pluriel, P-E accent aigu, R-I-O-D-I-Q-U-E-S. Et puis finalement, adulte, bah écoutez, ça c'est relativement facile, hein. A-D-U-L-T-E-S. On n'oublie pas le E hein, en français, adulte, donc A-D-U-L-T-E-S. Sixième chose concernant Jules Verne. Les romans de Jules Verne sont toujours très documentés. Les enfants du capitaine Grant, Le tour du monde en 80 jours. Les romans de Jules Verne sont toujours très documentés. Les enfants du capitaine Grant, Le tour du monde en 80 jours. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent.
Allez, on attaque ensemble, toujours. Eh bien, écoutez, c'est un adverbe, c'est relativement simple, je pense. Vous l'avez bien écrit, T-O-U-J-O-U-R-S. Ensuite, documenté, c'est les romans masculin pluriel. Documenté doit être au masculin pluriel. Donc, vous l'écrivez D-O-C-U-M-E-N-T-E, accent aigu. S, d'accord. On ne met pas le féminin, on laisse au masculin pluriel. Et puis finalement, monde, substantif, c'est masculin, le monde. Et bien sûr ici, de, le, se transforme en du monde. M-O-N-D-E. Michel Strogoff, l'étoile du sud, de la terre à la lune, 20 000 lieues sous les mers, Robur le conquérant, etc. Michel Strogoff, l'étoile du sud, de la terre à la lune, 20 000 lieues sous les mers, Robur le conquérant, etc. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, bonjour, Amla nous rejoint, pas de problème si vous êtes en retard. On n'oublie pas de cliquer, Amla, merci. Alors, Maria the Engineer, Maria the Engineer. On clique sur le like. Allez, les trois choses que nous cherchions. La première chose, substantif, c'est féminin, c'est une étoile, pour votre information. On l'écrit E, accent aigu, T-O-I-L-E. Ensuite, c'est lune, lune, eh bien, c'est aussi féminin. La lune, vous le voyez, L-U-N-E. Et la dernière chose, c'est mer. Alors, mer, souvenez-vous, c'est féminin, la mer, une mer. Ici, c'est le pluriel, M-E-R-S, sous les mers. Voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur Jules Verne maintenant. Allez, Kangstar, Kangstar! Il faut cliquer sur le like, hein, parce que regardez notre objectif, 100 likes, et c'est peut-être possible, Kangstar. Merci. Alors ça, c'est une question qui va faire plaisir à au moins une personne ici. Si je vous donne du raisin, que faites-vous avec ? On ne sait pas. Si je vous donne du raisin, que faites-vous avec ? J'attends avec impatience vos réponses. Alors j'imagine que... Oh, mais que se passe-t-il, Cosmina? Que se passe-t-il? Eh
Eh bien, grand merci, Cosmina. Cosmina veut que je mange. Elle veut que je mange parce qu'elle a vu que, effectivement, j'aimais bien cuisiner. Un grand merci, Cosmina. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, regardons ce que vous feriez avec ces magnifiques raisins. Rihanna qui dit, tout simplement, je les mangerai tous. Mélissa Madrid qui dit « Eh ouais, je ferai une salade de fruits. » Moi, j'aime bien les salades de fruits. Je trouve que c'est vraiment très agréable, surtout en été. Ça donne de la fraîcheur, j'aime bien. Luciana, je le mange avec plaisir. Mohamed qui nous dit « Je le mange, j'aime beaucoup le raisin. » Bah oui. Kangstar qui dit « Je vais manger. » Eh oui. Ice Cube qui dit « C'est pas citron pour faire une bonne limonade. » Donc, je les mange directement. Yulia qui dit « Je ne vais pas préparer de vin. » Je vais juste les manger. Alba qui dit « Je vais les manger, j'aime les raisins. » Johanna qui dit « Je le mange tout simplement frais, comme il est. Peut-être que je boirai fraîchement, cueilli et pressé. » Ici, en Roumanie, on appelle un must. C'est avant qu'il devienne du vrai vin. Je vais vous demander une petite seconde parce que vous avez peut-être entendu que Nicolas vient d'arriver. Une petite seconde, merci. Allez, voilà, il vient d'arriver, le grand garçon. Roman qui dit, évidemment, je les mangerai ou peut-être que je les garderai comme souvenir. Ah non, il faut pas garder. Il faut pas garder, Roman. On ne garde pas, on mange. Omar qui dit, j'aime le raisin, j'en mangerai parce que je ne sais pas comment faire du vin et où je dois les acheter. Victoria Jacques, j'aurais besoin de faire du vin. J'en étais sûr. Olga, donne le merci et je les mangerai comme ça. Yessero, si tu me donnes du raisin, je ferai du vin rouge, puis je vais offrir à Victoria Jacques. Ben oui. Scott qui dit, Victoria Jacques, est-ce que vous êtes française? Ah ben non, Victoria, non, c'est... Non. Alors, Alberto, je prépare d'abord du vin, mais je peux aussi les manger comme dessert. Comme dessert, c'est délicieux. Hilary qui dit, je les ferai en confiture. Ça, c'est pas mal, effectivement. Victoria possède d'abord, je les lave, puis je les mange. Cosmina qui dit, je vais faire du vin aussi. Tout le monde voudrait essayer, mais c'est difficile quand même. Victoria Thomas, je ferai du vin. Les raisins sont très bons, tendres et juteux, c'est vrai, et explosants de saveur. J. Vincent, je les mangerai s'ils sont mûrs et sucrés. Annabelle qui dit, ah, vous feriez avec un plateau de fromage. Mélanger le fromage et les raisins. Cassandra, je vais faire du vin rouge et inviter tous les étudiants de ce cours avec Vincent pour l'essayer. Moi, je dis d'accord, on pourrait le goûter. Monique qui dit, je les mangerai à la plage. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pratique, paf, on peut les manger comme ça. Il faut les laver, hein. Stardust, je servirai une partie des raisins avec du fromage frais sur une barquette très fraîche et du beurre frais. L'autre partie sur une tarte aux fruits ou dans un punch. Ça, c'est vrai. Johanna, vous avez entendu la sonnerie? Oui, oui, c'est Nicolas. Il appuie. Gisèle qui nous dit, je les mange seul. Maria qui dit 50% pour enlever les graines pour faire pousser ou planter. Ah, et puis sécher pour mettre dans une recette de pain avec de la cannelle. Gloria qui dit j'adore ce type de raisin Concorde. Je les suis et je le mange. Alors, Imane qui dit, mais il faut enlever les pépins si vous voulez faire de la confiture. Eh bien, merci beaucoup.
plaît, s'il vous plaît, on ne va pas y arriver. J'ai un mauvais sentiment, mais on essaye. Cliquez sur le like si vous ne l'avez pas fait. Allez, vocabulaire, les verbes les plus utilisés. Attention, nous sommes à un niveau avancé et donc, bien sûr, nous avons envie de nous amuser un petit peu avec le subjonctif présent. Le verbe, vous savez, c'était un des verbes que nous avons vu. Le verbe, c'est entrer. Entrer, j'aimerais que vous me conjuguiez le verbe entrer à la première personne du singulier, je au présent, s'il vous plaît. Bon alors effectivement, la première forme, c'est pas très très difficile finalement, c'est un verbe régulier, hein, souvenez-vous, entrer. Donc la première personne, eh bien c'est que j'entre, J'entre. Alors en général, quand on fait la conjugaison des formes subjonctives, on met le que, hein, c'est une tradition, donc que j'entre. S'il vous plaît, deuxième personne, bien sûr, tu. Pour le verbe devenir, s'il vous plaît, c'est toujours le subjonctif présent. Allez-y. Alors oui, le verbe devenir, pour le subjonctif présent, deuxième personne du singulier tu, eh bien la forme c'est deviennes, D-E-V-I-E-N-N-E-S. Pour l'instant, c'est bien, juste Yesero, et c'était, oui, Yesero a changé, faites attention Maria, c'est deviennes, il faut que tu deviennes. Plus raisonnable, par exemple. Allez, troisième chose, c'est le verbe commencer. Le verbe commencer, s'il vous plaît, la troisième personne du singulier, elle. Toujours le subjonctif présent, bien sûr. Alors, regardons ensemble. Oui, c'est très très bien. Hein. Globalement, ce que vous m'écrivez, eh bien, je dois dire que c'est parfait. Bravo, bravo. Quel commence ? Commence ici. Eh bien, c'est relativement simple. C'est O-M-M-E-N-C-E. Il faut qu'el commence quelque chose. Quatrième, c'est le verbe payer. Alors, faites attention. La forme, c'est nous. D'accord. S'il vous plaît, subjonctif présent du verbe payer à la première personne du pluriel, nous. Allez-y.
Alors oui, hein, c'est une version qui est très très intéressante, enfin intéressante. Enfin, c'est une version qui est originale, on va dire. Si vous regardez très clairement, vous voyez que le A, eh bien, c'est une voyelle, souvenez-vous. Le Y, c'est une voyelle aussi en français. Le I, c'est une voyelle aussi en français. Et le O, c'est une voyelle. Vous avez quatre voyelles à la suite. La façon de le prononcer, ça va être assez particulier puisque vous allez d'abord combiner le A et le Y. Et donc vous obtenez paix. Et après, vous allez vraiment prononcer le I et le on, hein, puisque le O et le N, ça va être de la nasale. Payon. Et vraiment, vraiment, vous insistez sur le ion. Payons, il faut que nous payions. Voyez, le yé, il est un petit peu plus long. On doit faire la différence entre nous payons au présent de l'indicatif et nous payons qui doit être légèrement plus long. Vous le retrouvez à l'imparfait et vous le retrouvez au subjonctif présent. Il faut que nous payions. J'insiste, hein, pour que ce soit un peu plus long, normalement c'est un petit peu plus court. Allez, on y va, numéro 5. Numéro 5, on y va maintenant, s'il vous plaît, le verbe tirer. Et puis c'est vous, allez-y. Alors Désiré qui pose la question pour avoir et pour être, essayez de les prononcer. Essayez de les prononcer, vous verrez que c'est un petit peu plus sportif. Alors, regardons ensemble ici la forme. Globalement, c'est bien. Il y a des personnes qui ont oublié le i, hein, parce que souvenez-vous que la terminaison, c'est yé, 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 i-e-z. Et donc ici, c'est il faut que vous tiriez. T-I-R-I-E-Z. Il faut que vous tiriez. D'accord? Cette semaine, on a des exercices automatiques de conjugaison et bien sûr, il y aura du subjonctif présent qui va arriver à la fin de la semaine. Donc à la fin de la semaine, hein, comme chaque jour, je programme des exercices de conjugaison, il y aura les 400 verbes les plus utilisés en français. Conjugaison systématique, vous pouvez participer. Ah oui, ça va être difficile aujourd'hui. Je crois que ça va être très difficile d'arriver à 100, mais on essaye. On essaye. Si vous ne l'avez pas fait encore, cliquez sur le like, s'il vous plaît. Ce sera peut-être possible, mais ça semble peu probable. Allez, le panneau du jour, le panneau du jour, eh bien le voici, et je vous demande de continuer la phrase, bien sûr. Il est interdit de. Imaginez la suite.
Alors, Yulia qui commence. Et Yulia qui dit, il est interdit de faire le ménage ici. Imaginez. Non, il ne faut pas venir pour faire le ménage ici. Peut-être, on ne sait pas. Yesero, il est interdit de jeter vos déchets ici. Ouais, faites attention, Yesero, vos, hein, V-O-S, parce que déchets, c'est au pluriel. Johanna, il est interdit d'éparpiller les dégâts dans la rue, d'accord, ou peut-être les déchets. Mercurialman, mélangez le français et l'anglais. Il est interdit de mélanger le français et l'anglais, un panneau. Peut-être. Kangstar, il est interdit de vider sa poubelle. Désiré, il est interdit de jeter les détritus dans la rue. Omar, il est interdit de jeter sa poubelle. Ici, peut-être. Amla, il est interdit de jeter vos déchets. Même chose, hein. Vos, puisque déchets, c'est pluriel. Cosmina, il est interdit de gaspiller les grains d'or sur la terre. Qu'est-ce que c'est que cette chose intéressante ? Victoria Thomas, il est interdit de jeter les déchets municipaux auto-échauffants. Waouh ! C'est intéressant. Ensuite, Maria, il est interdit de jeter les déchets plutôt. Hein. L'itiéré n'existe pas encore en français. Luciana, il est interdit de laisser sa poubelle. J. Vincent, il est interdit de vider sa poubelle ici. Stardust, qui ne s'est dit je ne sais pas, il est interdit de vider les saletés ou les ordures. Imane qui nous dit, il ne faut pas jeter la poubelle sur la rue, dans la rue. Johanna qui nous dit, ah d'accord, qui rit avec... Ah, c'est vrai que la forme de Yulia était très très bonne, hein. Interdit de faire le ménage. Ah non, on ne vient pas faire le ménage. Hilary, il est interdit de jeter les ordures. Victoria Posse, il est interdit de jeter des papiers sur le sol. Yolanda, il est interdit d'éparpiller des objets sur l'herbe, pourquoi pas. Alberto, il est interdit de jeter des ordures. Est-ce que c'est sur la plage? Faites attention, plage, P-L-A-G-E. Roman, il est interdit de jeter vos poubelles. Victoria Jacques, il est interdit de déverser de délicieux raisins. Vous croyez que c'est les raisins? C'est possible, c'est possible. Peut-être qu'ils seraient ronds. Ou ovale, ovale peut-être. Ice Cubes, il est interdit de renverser ton argent ici. Ça ressemble à ça, votre argent, Ice Cubes. Cherylin, Mélissa, il est interdit de nourrir les pigeons. Eh oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Gloria, Victoria Jacques, je pense que vous pouvez jeter du sel. C'est peut-être ça. Et Olga, il est interdit de jeter sa poubelle. Alba, c'est la même chose de jeter sa poubelle ou ses déchets ici. Merci beaucoup. Allez, 17 personnes qui peuvent encore cliquer sur like pour arriver à 100, ce serait idéal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-le. Allez, la première page. La première page, c'est un nouvel exercice. Je me disais que ça pourrait être très intéressant de travailler sur la première page ou le premier chapitre. Ici, c'est un petit peu différent d'un livre. J'ai choisi, bien sûr, Le Petit Prince pour commencer, parce que c'est quand même formidable. Alors, Le Petit Prince, je n'ai pas choisi le premier chapitre. Je pense que le deuxième chapitre est plus intéressant parce que le deuxième chapitre évoque la rencontre avec le Petit Prince. Donc on va plutôt travailler là-dessus et donc on va procéder comme d'habitude. On y va. Je lis et vous écrivez. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans.
J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Alors bonjour Outam, bonjour du Népal, eh bien écoutez... N'oublie pas de cliquer et on participe, nous faisons une dictée sur le Petit Prince. Alors effectivement, la première chose, eh bien, c'est vécu. Hein. Vécu, nous sommes d'accord que c'est le participe passé du verbe vivre. Vécu ici, eh bien vous l'écrivez V-E accent aigu C-U. La deuxième chose, c'est un adverbe véritablement. Souvenez-vous, adverbe de manière qui est construit basé sur l'adjectif masculin véritable, féminin c'est la même forme, véritable. Vous rajoutez le ment et vous obtenez l'adverbe véritablement. Et la dernière chose, eh bien, c'est désert. Hein. Désert, substantif masculin, le désert. D-E, accent aigu, S-E-R-T. Le désert du Sahara. Deuxième chose. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. Allez, on regarde ensemble. Première chose, c'est casser, donc participe passé du verbe casser. Et donc ici, effectivement, vous l'écrivez, C-A-S-S-E, accent aigu. On est obligé de laisser la forme basique, c'est-à-dire la forme masculine, puisque c'est quelque chose. Voilà, ensuite, mécanicien. Mécanicien, eh bien, c'est masculin ici. Un mécanicien, M-E, accent aigu, C-A-N-I-C-I-E-N. Et puis la dernière chose, c'est encore un substantif et c'est réparation, R-E, accent aigu, P-A-R-A-T-I-O-N. Et Amla nous dit, prof, ce livre est le premier livre que j'ai lu en français, eh ben ça c'est formidable. Et puis c'est une très très belle histoire à mon avis. Numéro 3. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours.
Allez, on regarde. La première chose, eh bien, c'est un substantif et c'est mort. Mort, c'est un mot qui est féminin. La mort, une mort. Et on l'écrit M-O-R-T. Ensuite, peine, vous l'écrivez, et vous l'avez très très bien écrit en fait, P-E-I-N-E, à peine. Et puis l'eau, encore une fois, eau, c'est un mot féminin, une eau, vous l'écrivez E-A-U. Allez, on continue avec ça. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, regardons ensemble ce que vous m'avez écrit. C'est bien, c'est bien. Et regardons donc les trois choses. Hein. La première chose, c'est le verbe s'endormir. Hein. Mais donc ici, effectivement, on a la forme qui est au passé composé. Je me suis endormi. Bien sûr, on a mis le donc entre les deux. Endormi, donc doit être au masculin puisque eh bien le narrateur est un homme. Donc endormi, vous l'écrivez E-N-D-O-R-M-I. Ensuite, le sable, substantif masculin, le sable, un sable, vous l'écrivez S-A-B-L-E. Et puis habité doit être au féminin ici puisque c'est terre, une terre habitée. Habité, H-A-B-I-T-E, accent aigu, E. Allez, on continue. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, regardons les trois choses. La première chose, c'est le verbe être. Le verbe être qui doit être à l'imparfait et à la première personne du singulier. Était, accent aigu, T-A-I-S. Ensuite, isolé. Eh bien, isolé doit être, bien sûr, ici, au masculin. C'est toujours le narrateur et c'est un homme. Isolé, I-S-O-L-E, accent aigu. Et puis ensuite, c'est radeau. Radeau, c'est un substantif qui est masculin. Un radeau, le radeau, vous l'écrivez R-A-D-E-A-U. Et l'histoire continue. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait: alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait:
Alors, regardons ensemble les quatre choses qui manquaient. La première chose, c'est le verbe imaginer. Imaginer qui est ici, eh bien, à la deuxième personne du pluriel. Vous imaginez, I-M-A-G-I-N-E-Z. Ensuite, lever, hein, donc lever du jour. Lever, c'est un substantif qui est masculin. Le lever, un lever. Vous l'écrivez L-E-V-E-R. Drôle, c'est un adjectif. Et vous l'écrivez D-R-O, accent circonflexe L-E. Souvenez-vous que drôle, l'adjectif sera le même au masculin ou au féminin. Et puis voix, voix, c'est un substantif qui est féminin. Une voix, la voix, et vous l'écrivez V-O-I-X. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. Alors, je regarde. Oui, merci à Ice Cubes pour le mouton. Pourquoi pas? Allez, les trois choses. La première chose, c'est vous. Ça, c'est relativement facile. V-O-U-S. Mouton, l'animal, bien sûr. Mouton, M-O-U-T-O-N. Et finalement, dessine, hein, qui est ici le verbe dessiner. C'est l'impératif, hein, nous sommes d'accord. Dessine, D-E-S-S-I-N-E. On continue avec le numéro 8. Le numéro 8, j'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. Allez, si on regarde ensemble, la première chose, c'est le verbe sauter au passé composé. Donc, c'est juste ici, le participe passé, S-A-U-T-E, accent aigu. Pied, substantif, un pied, ici c'est au pluriel, P-I-E-D-S. Et finalement, encore un substantif, c'est la foudre. Foudre, vous l'écrivez F-O-U-D-R-E. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Alors, Victoria Posse nous dit, je l'ai acheté il y a 2 semaines.
Ça, c'est formidable. Il faut le lire. Il faut le lire. Moi, je trouve que c'est vraiment une très belle histoire. Regardons les quatre choses qui manquaient. Le verbe, c'est frotter. Hein. Frotter, frotter les yeux. Verbe régulier, donc ici au passé composé. J'ai frotté. J'ai bien notre adverbe frotter. F-R-O-T-T-E, accent aigu. Ensuite, bonhomme. Bonhomme, vous l'écrivez tout simplement. B-O-N-H-O-M-M-E. Bonhomme. Et puis, alors, bonhomme est masculin comme substantif. Extraordinaire, extraordinaire, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Extraordinaire, E-X-T-R-A-O-R-I-R-D-I-N-A-I-R-E. Extraordinaire, mais en général, on va le prononcer extraordinaire. Et puis la dernière chose, c'est un adverbe, c'est l'adverbe gravement. Gravement, souvenez-vous, adverbe de manière, ça veut dire qu'on utilise, encore une fois, notre adjectif. Adjectif masculin, grave. Adjectif féminin, grave, c'est la même forme. On rajoute le « ment » et on obtient notre adverbe gravement, G-R-A-V-E-M-E-N-T. Voilà, gravement. J'espère que ça vous a donné envie de lire Le Petit Prince si vous ne l'avez pas lu. Je pense que ça peut être parfois un petit peu difficile, mais je crois que c'est vraiment une langue qui est assez accessible quand même. Ça va pas être possible. Ça ne sera pas possible. Je vais pleurer. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, à vous la parole. À vous la parole. C'est le meilleur endroit pour... À votre avis, c'est le meilleur endroit pour faire... Quoi ? Allez-y, une phrase, s'il vous plaît. Alors, je vois que c'est Ice Cubes. Ice Cubes est en première position. Bravo, Ice Cubes. Et Ice Cubes nous dit, c'est le meilleur endroit pour passer le week-end. Ben oui, pourquoi pas, finalement. Cosmina qui dit, c'est le meilleur endroit pour aller à la chasse. Avec la reine d'Angleterre. La chasse à court. Avec le corps de chasse. Oui, c'est vrai. Amla, c'est le meilleur endroit pour faire une promenade. Victoria Possé, c'est le meilleur endroit pour passer une bonne journée. Ça, c'est vrai. Johanna qui dit, c'est le meilleur endroit pour se promener avec son partenaire de vie et se réjouir de la belle journée ensemble. Omar qui dit, c'est le meilleur endroit pour vivre si on a de l'argent. Ah oui, oui, parce que ça, en chauffage, le chauffage, ça doit être très très cher, probablement. Et puis réparer le toit, c'est toujours très coûteux. Yesero, c'est le meilleur endroit pour montrer votre château à vos anciens ennemis. J. Vincent, c'est le meilleur endroit pour s'asseoir et peindre la Seine. Eh oui. Roman, c'est le meilleur endroit pour marcher.
Ça, c'est vrai que c'est sympathique de marcher là. Hein? Ensuite, regardons, attendez, Cassandra, c'est le meilleur endroit pour organiser une fête de mariage. Eh ben oui, ça, c'est vrai que pour les photos, c'est formidable. Alberto, c'est le meilleur endroit pour se reposer avec ma famille ou me reposer avec ma famille tous les week-ends. Stardust, c'est le meilleur endroit pour réfléchir et profiter du soleil en se promenant. Victoria Jacques, c'est le meilleur endroit pour pique-niquer. Bah oui. Non, pique-niquer, c'est un verbe, hein, Victoria Jacques, c'est pas un problème. C'est vrai, mais je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment autorisé? Ah oui, il y a des gens, hein. Il y a des gens, c'est possible. Peut-être pas autorisé, mais c'est possible. Maria, c'est le meilleur endroit pour trouver des idées d'aménagement de paysage, oui. Ça, c'est vrai. Olga, c'est le meilleur endroit pour aller en vacances. Brainwash, c'est le meilleur endroit pour jouer au foot. Victoria Thomas, c'est le meilleur endroit pour faire des photos et se balader avec la famille. Une véritable bouffée d'air frais. Ouais, ça, c'est vrai. Annabelle qui dit, c'est le meilleur endroit pour prendre le thé de... Ting ting, l'après-midi. Amla qui dit c'est un château. Bah écoutez, c'est un petit château. Luciana, c'est le meilleur endroit pour se détendre, hein, pour se promener et profiter du soleil et de la beauté de la nature. Mohamed qui dit c'est le meilleur endroit pour passer des vacances avec ma famille. Très bien. Victoria Jacques, oui c'est possible, mais est-ce que c'est autorisé? C'est ça la question, ça c'est pas sûr. Allez, on va essayer, on croise les doigts, je pense que ça va être difficile, mais si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, merci. Allez, on y va. Trouvez un mot, s'il vous plaît. Trouvez un mot qui commence avec les lettres GR. Allez-y. Alors, Ice Cube qui reparle de Zoom. Bah, je suis un petit peu occupé à Ice Cubes, j'ai un petit peu de travail en ce moment, donc oui, mais il faut réfléchir. Alors, Brainwash qui commence et qui nous dit « grosse », effectivement, adjectif, hein, « grosse », c'est le féminin de « gros ». Poumima qui nous rejoint, Poumima, sauvez-nous. Allez, Poumima Rajpal, il faut cliquer sur le like, on va essayer au maximum pour arriver à 100. Mohamed qui nous dit gros, oui, Ice Cubes qui nous dit gratiné, oui, un substantif, le gratin. Amla qui nous dit une grotte, Yesero qui nous dit des graines, souvenez-vous, le mot graine, c'est un mot qui est féminin, une graine. Johanna qui dit oui, j'adore ça, très bonne idée Ice Cubes. Ah, on a fait, Johanna, il y a une période lointaine où il y avait tous les jours un Zoom, mais c'était beaucoup de travail, c'était vraiment beaucoup de travail à organiser tout. Et là, je suis un petit peu occupé en ce moment. Poumima, grignoté. Omar, grandiloquent. Cassandra qui nous dit grand ou grande. Mélissa qui nous dit gronder. Gloria qui dit grotesque, effectivement, grotesque, hein, adjectif masculin ou féminin, c'est la même forme. Victoria Possé, grille, mot féminin, une grille. Alberto, la grammaire. Annabelle, une grenouille. Ah, j'adore les grenouilles. J'adore les grenouilles. Elles sont tellement mignonne. Luciana qui nous dit grandiose. Cosmina qui nous dit une greluche.
D'accord, Simone la greluche. Peut-être J. Vincent qui nous dit un grenier. Victoria Thomas qui nous dit grabataire. Oui. Pareil, hein. On l'utilise rarement, mais on peut. Et c'est pas très sympathique. Romain, les graphismes. Monique qui nous dit grandir. Stardust qui nous dit une grenouillère. Oui, ça c'est pour les bébés, c'est magnifique. Ah, les bébés, ça c'est chouette. Mohamed qui nous dit gré. D'accord, qu'est-ce que. Oui. Maria, la grisaille, effectivement. Victoria Jacques, des grenouilles. Ouais, c'est pareil. Là, les grenouilles, moi je trouve que c'est. On ne mange pas les grenouilles, hein. Johanna qui nous dit Grimaud ou Grimaud. Abla qui nous dit une greffe. Johanna qui nous dit, je ne sais pas, on était tous là. Ah, on n'était pas tous là. Ah oui! Ah, je sais, c'est il y a longtemps. Il y a longtemps, Johanna. Olga, le gravier. Alors, Chériline, attention, granulocyte. Encore une fois, c'est un mot que j'ai utilisé juste ce matin quand je discutais avec Nicolas. On a parlé de granulocytes ce matin, avant qu'il parte à l'école. Gisèle Bourgeois, gratuite. Désirée, la grève. Gloria, hein, très bien. Ok. Oh, le zoom! Il y a une pression avec le zoom. Poumima, la grasse matinée. Merci beaucoup. Alors, Ice Cubes, est-ce que je mange des grenouilles? Oui, mais c'est. Bah, j'ai dû en manger deux ou trois fois, mais pas plus. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Si vous voulez des bulles, que buvez-vous? Si vous voulez des bulles, que buvez-vous? Allez-y, une phrase, s'il vous plaît. Alors, Chirali nous rejoint. Chirali? C'est un petit peu désespéré, mais nous nous rapprochons petit à petit des 100. Peut-être qu'on pourra y arriver. Chirali, il faut cliquer, s'il vous plaît, sur le like. Merci beaucoup, c'est très, très gentil. Alors on regarde, c'est Maria qui attaque et qui dit qu'elle boit, ben finalement de l'eau, hein. De l'eau San Pellegrino, effectivement. Victoria Jacques, pas de surprise, ça n'est pas une surprise très grande. Victoria Jacques nous dit, voyons, si je veux boire des bulles, ben bien sûr que je vais boire du champagne. Du vrai, hein. Attention, du vrai, vrai champagne. Vous voyez là, le crayon, eh bien, c'est une boîte de champagne. Ensuite, Stardust qui nous dit un spritzer aux pommes. Waouh, ça c'est pas mal. Yessero, si je veux des bulles, je bois du coca. Luciana, si je veux des bulles, je voudrais du champagne. Attention, Luciana, la champagne, c'est la région, d'accord? Mais la boisson, c'est le champagne. D'accord? Donc, la champagne, la région. Le champagne, la boisson. Olga, nous ne mangeons pas des grenouilles en Colombie. Pas de problème. Alors là, pas de problème. Tout le monde mange ce qui
ce qu'il veut, hein. Johanna, alors je bois évidemment du champagne, c'est quelque chose de raffiné, élégant et aristocratique. C'est surtout très bon. C'est surtout très très bon. Annabelle qui nous dit, alors, lemon lime bitter. D'accord, très bien. Ah là là, on sent là là. Très bien. Amla qui nous dit, du savon. Vous mangez du savon, vous buvez du savon. Amla, ça n'est pas raisonnable. On ne doit pas manger ou boire le savon. Non, non, non. Alberto, comme j'aime le vin, je bois du champagne. Bah oui. Alors vous pouvez, il y a beaucoup de variations. Vous avez des choses un petit peu différentes. Vous avez le crémant. Le crémant, c'est pas mal. C'est un petit peu comme le blanc de blanc. Vous voyez, ça n'est pas du champagne, mais c'est vraiment, vraiment très, très bon. Ensuite, Chirali qui dit « Monsieur Vincent, vous commencez à quelle heure et combien de jours par semaine ?» 2 heures avant et tous les jours, sauf le dimanche. Le dimanche, je me relaxe. J. Vincent, pour un verre avec des bulles, je pourrais avoir un flotteur de bière de racines, une boule de glace dans un verre de soda. D'accord, c'est un petit peu troublant, J. Vincent, c'est intéressant. Cosmina Bellou, si je veux des bulles, je bois ou j'inhale un peu de protoxyde d'azote. Ça fait peur, hein. Alors, Mélissa Madrid, je suis désolé, je n'arrive pas à boire des boissons avec des bulles. J'ai mon ami Thomas, c'est la même chose. Thomas ne peut pas boire de bulles, donc il boit en général des choses sans bulles et il est très heureux. Omar, le classique c'est un champagne ou au moins un vin mousseux. Il y a d'autres variations, hein. Le blanc de blanc c'est pas mal, le crémant c'est vraiment sympathique et c'est de la bonne qualité. Merach Khan qui nous rejoint. Merach Khan, s'il vous plaît. On clique sur le like. Merci beaucoup. Johanna, ça coûte combien en France du vrai champagne? Je soupçonne que c'est pas assez cher. Ah, c'est assez cher. Ça dépend. C'est moins cher qu'à l'étranger en général. Mais ça dépend. Si vous voulez une bonne bouteille de champagne, oh, vous pouvez trouver du champagne pour 20 euros, je pense. Quelque chose qui est vraiment bien. Victoria Possé, je voudrais du champagne. Désiré, je bois du Coca-Cola. Cassandra, je bois du gin tonic avec une petite rondelle de citron. Ice cubes, champagne bien sûr, ou alors de l'eau minérale. Eh ouais. Roman qui dit, je voudrais du champagne et un peu de vin, d'accord. Cheryline, des bulles ou dans l'estomac. Mais non! Mais non, Cheryline, que se passe-t-il aujourd'hui? Cheryline est déchaînée. Alors, Amla, je ne bois pas d'alcool, mais ça n'est pas grave, pas de problème, vous pouvez boire des bulles sans alcool. Maria, d'accord, bah écoutez, attendez, je regarde, tout le monde a répondu, merci beaucoup. Allez, écoutez bien, souvenez-vous, c'est l'exercice dans lequel on fait un petit peu de dissociation. Au niveau de la phonétique, oups là, tiens, c'est très très étrange, voilà, j'y arrive. Attention, je vais lire le mot une seule fois et vous écrivez le mot que vous entendez. Paume, allez-y. Thank you.
Allez, regardons ensemble. Donc, c'était le premier. C'est Paum, donc la version que vous voyez qui clignote. P-A-U-M-E. Donc, pour que ce soit clair, encore une fois, je vais prononcer les deux. Écoutez bien, parce que la différence, elle est assez microscopique. Le premier, c'est vraiment un O-O-O qui est comme ça, qui descend O. Paum. D'accord ? Un petit peu plus long. Paum. D'accord ? Le deuxième, le B, c'est un O. Pomme. Premier, paum. Deuxième, pomme. D'accord ? La différence n'est pas très grande, je le sais. C'est pour ça que nous travaillons là-dessus. D'accord ? Attention, paum. Pomme. On va travailler sur ce son-là, enfin sur ces deux sons-là. D'accord ? Allez, on y va. Le deuxième, eh bien, voilà. Rock. Écrivez-le, s'il vous plaît. Non, Johanna, si j'allonge les, syllabes, ou est-ce que vous voulez... J'allonge en général les voyelles, ou là j'allonge ce qu'on veut distinguer, hein, c'est pour ça. Donc ici, regardons ensemble, c'était effectivement le deuxième. Le B, c'était rock. Oh, rock. Premier. On va dire le A. Rock. O-O-O-O-O. Rock. Deuxième. A-A-A. Rock. O-A. Rock. Rock. D'accord ? Allez, on continue avec le troisième. Attention, c'est la même différence. Notre. Alors, regardons ensemble. Ici, c'était le deuxième. C'était donc celui qui n'avait pas l'accent circonflexe. C'est notre. A-A-A-A-A. Notre. On va regarder encore une fois les deux. Le premier, O. O-O-O-O-O. Notre. Ici, vous savez, c'est le pronom. Hein. C'est le nôtre, le pronom possessif. Le nôtre, le vôtre, le leur. Donc vraiment, c'est nôtre. Deuxième adjectif, hein, notre. Notre ami, notre voiture, notre appartement. Premier, nôtre. Deuxième, notre. Allez, on continue, je ne sais pas, que se passe-t-il, Chériline ? Regardons les personnes sans accent. Oui, ne nous inquiétons pas, écrivez-le différemment. Numéro 4, attention, la même distinction. Soul, allez-y. Thank you.
Alors, Gloria qui dit « Oui, j'entends la différence !» Agréable, un sentiment très agréable. C'est Monta qui nous rejoint, c'est Monta. Il faut nous sauver. Nous voulons arriver à 100, mais apparemment ça va être très difficile aujourd'hui. Si vous n'avez pas cliqué sur le like, c'est maintenant ou jamais, sinon... ça sera trop tard. Allez, on regarde ensemble. Ici, c'était donc le A et c'était Soul. Donc encore une fois, hein, on va faire la différence entre les deux. Le premier, le A. O, Soul. Le deuxième, O, Sol. D'accord ? Le A, Soul. Le B, Sol. Allez, on regarde le cinquième. Le cinquième, c'est la même chose. Attention, écrivez ce que je prononce. Sot. Ouais. Eh bien voilà, je dis oui parce que, apparemment quand même, vous commencez à bien sentir la différence entre les deux, d'accord ? Donc nous sommes d'accord qu'ici, nous étions, eh bien, à la recherche du deuxième, le A, SOT, d'accord ? Le premier, hein, on va prendre une minute pour les faire, le premier, encore une fois, O, saute. Le deuxième, A, saute. D'accord ? Alors, comme d'habitude, hein, l'idée de cet exercice, c'était uniquement de se concentrer sur la phonétique. Je ne vous ai pas donné la signification. Si vous ne connaissez pas tous les mots que nous avons vus, c'est l'occasion de faire une liste, de les chercher dans le dictionnaire. C'est toujours un très très bon exercice pour se souvenir, eh bien, de ces nouveaux mots. Voilà. Alors, les homophones, regardons ensemble, nous en avons vu déjà pas mal, et nous continuons les homophones, on les prononce de la même façon, on les écrit différemment, et donc bien sûr, ce sont des mots différents. Le premier, s'il vous plaît, faites-moi la traduction de « a path, a road », allez-y. Alors Stella qui nous supporte et qui dit « Bah oui, il nous manque 3 likes !» Que se passe-t-il aujourd'hui ? Si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, c'est le moment ou jamais, s'il vous plaît, faites-le. On devrait arriver au 100. Normalement, ça doit être possible. Alors c'est gentil, ouais, vous me faites des propositions qui sont bien. J'en cherchais une autre en fait, mais j'attends. Est-ce que vous pourriez me proposer autre chose ? Ça n'est pas un sentier, ça n'est pas un chemin. Nous sommes d'accord que c'est des bonnes traductions. Vous me proposez des bonnes choses, mais j'avais envie d'avoir, eh bien, tout simplement, mais quelque chose qui commence avec un V. Est-ce que vous connaîtriez une traduction qui pourrait commencer avec un V ?
Alors, pas d'excitation. Pas d'excitation, ça n'est pas les sangs. Ça n'est pas les sangs, c'est juste Cherylyn qui a trouvé... qui a trouvé, effectivement, le mot que je cherchais. Ouais, je cherchais en fait une voix. Une voix, donc c'était le mot que je cherchais. On l'écrit en français, V-O-I-E. C'est un mot qui est féminin, d'accord ? Donc, nous allons maintenant chercher un autre mot qui est un homophone. Ça veut dire qu'on va le prononcer exactement de la même façon, voix, mais on va l'écrire automatiquement différemment. Allez, on y va. Le deuxième, c'est a voice. Allez-y. Pardon, je l'ai fait sans la musique. S'il y a des personnes qui sont arrivées, s'il y a des personnes qui sont arrivées... Je vois Nisha, cliquez sur le like. Toutes les personnes qui sont arrivées doivent automatiquement cliquer sur le like. Nous pouvons nous rapprocher des 100. Alors effectivement, hein, effectivement ici, une voix, vous l'écrivez V-O-I-X, une voix, et donc vous les prononcez exactement de la même façon que le mot précédent. Donc nous sommes d'accord que ces deux mots qui sont une voix V-O-I-E ou alors une voix V-O-I-X sont prononcés exactement de la même façon, mais ont bien sûr une signification différente. Allez, allez! À vous la parole, à vous la parole! La dernière fois que vous avez enlevé vos chaussures à l'extérieur, c'était quand? Dites-moi, quand était la dernière fois que vous avez enlevé les chaussures à l'extérieur pour, comme vous le voyez ici, marcher sur l'herbe. On fait ça et après on fait la fête. Alors, Johanna, quel type de chaussures ? Non, 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 le concept d'aller à l'extérieur et de retirer ses chaussures pour marcher dans l'herbe. Stella qui dit, c'était aujourd'hui. Ah ben ça, c'est formidable. Qu'est-ce que vous avez comme température, Stella ? Est-ce qu'il fait très très beau alors ? Ça, c'est intéressant. Madame qui nous dit « Ça fait longtemps, je ne sais pas ». Madame, on n'oublie pas de cliquer. C'est le minimum, madame. Le minimum syndical, comme on dit. Olga Ruiz qui nous dit « Jamais, monsieur ».
Yesero, la dernière fois, je ne m'en souviens plus, peut-être quand j'étais à la plage il y a 3 ans. Gloria qui dit bonne question, il y a 2 étés. Eh ben voilà, Gloria, cet été, il faut faire la même chose. On enlève les chaussures et on profite de l'herbe. Poumima qui nous dit, je ne me souviens pas. J. Vincent qui dit, je porte des sandales. Alors je les lance simplement si je suis assis sur une chaise à l'extérieur avec mes livres. Très bien. Ensuite, Yona qui dit, j'ai enlevé mes chaussures à la plage l'été passé pour entrer dans l'eau et prendre du soleil. Ice Cubes, le week-end dernier, quand j'étais dans le parc. Waouh! Donc vous avez des... Il fait chaud, il fait beau en ce moment, Ice Cubes. Bravo, bravo pour vous, ça c'est formidable. Omar, la dernière fois que j'ai enlevé mes chaussures, c'était il y a 1 an, je crois. Ah oui. Yolanda qui dit il y a quelques années. Annabelle Nouvelle qui nous dit l'été dernier. Cosmina qui nous dit l'été dernier à la campagne, j'ai enlevé mes chaussures pour aller me promener sur l'herbe. Ça, c'est une sensation vraiment sympathique. Quand on marche sur l'herbe, pieds nus, c'est sympa. Lynn, la dernière fois que je l'ai fait, c'est quand j'ai visité une pagode. Alberto, je portais mes chaussures ce matin. Ah, très bien. Ça n'était pas la question, Alberto, mais c'est la réponse. C'est Monta qui dit, ça fait un bail. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, Luciana qui nous dit, sur l'herbe, il y a beaucoup d'années, ou beaucoup de temps, ou il y a longtemps, on va dire. Amla qui dit, j'ai oublié. Je ne vais pas là-bas depuis la pandémie, ou je reste dans la voiture. Yolanda qui nous dit, sur le stade, eh ben oui. Mélissa Madrid, la dernière fois, c'était pour mon anniversaire, l'été dernier. Et après, j'ai paniqué en pensant au tic. C'est vrai. C'est vrai. Oh, j'ai une histoire terrible avec ma fille. J'étais avec elle et j'ai vu une tique qui commençait à rentrer dans sa peau. Je l'ai enlevée. Après, j'étais vraiment stressé avec les tiques. Attention aux tiques! Ce n'est pas vos amis. Roman, je ne me souviens plus de la date exacte, mais je suppose que c'était il y a environ 7 ou 8 mois. Ensuite, Victoria Jacques, peut-être l'été dernier. Très bien. Alors attendez, je regarde. Victoria Posse qui nous dit à l'extérieur, je ne m'en souviens pas. Stardust qui dit, mes chaussures sont dehors, c'est normal pour nous. Ice Cubes qui nous dit oui, il fait beau. Ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux pour vous. Merci. Eh oui, on a réussi. Aïe, c'était difficile. Hein? C'était difficile aujourd'hui, comme hier. Hier, c'était la même chose. C'était vraiment, vraiment limite, limite. Allez, je vous dis un grand merci. Grand merci pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne nuit. C'est en fonction de l'endroit où vous êtes. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve, pardon, on se retrouve demain, si vous voulez bien, à la même heure. Au revoir et à bientôt.